bon. C'est grave docteur. Non, bah c'est non, c'est un capitaine, c'est un peu comme et tous les motifs valables comme un Batman Arkham, mais avant que les Batman Arkham sortent, les premiers enfin les premiers les autres Spider-Man étaient à peu près du même genre sans cette espèce de système de lock qui est du coup très agréable depuis bah les Batman. En même temps, ça fait c'est une recette qui marche donc tu m'étonnes qu'ils les utilisent. Tac. Eh bah putain. Je vous prie de me croire que c'est pas simple. Quand tu maîtrises pas encore le combat, il suffit que tu te déconcentres un peu en fait et... Hop. Hop là. Et salut Kilo Game, désolé, j'étais un poil concentré. Ce Spider-Man est très très bien pour le moment. Je kiffe. Et même s'il m'a coûté cher, parce que du coup j'ai dû acheter une PS4 Pro pour y jouer. C'est pas le seul jeu auquel je joue, mais c'est le premier jeu auquel je joue sur cette console du coup. Il y en aura d'autres hein, en fonction des sorties. Petit Red Dead Redemption 2 qui du coup vraiment m'a motivé pour cet achat. Ah, c'est ça! Oh! Est-ce que ce serait pas le... Incroyable, je crois qu'on a... Le... Comment ça s'appelle? Le... Voyons si je peux lui remettre les idées en place. À chaque fois que je suis en train de parler, Jameson, tu casses les couilles. Est-ce que ce serait pas le... Le camp de... Enfin, l'endroit où s'entraînait le père de Daredevil, justement. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Juste vous dire que Manhattan ne m'avait jamais semblé aussi calme et aussi sûr. Rappelez-vous comment c'était avant l'arrivée de Spider-Man. Très bien, d'accord. Comparons. Avant, on avait des policiers et des pompiers qui faisaient un travail. Les gars, par ici, il en va. L'araignée, ça c'est... Ah, je sais pas comment il fait tout ça. Hop, on se bat avec le coffre d'une voiture, mais tout va bien. Non! Je vais les perdre! Il faut que je me dépêche! Non, non, je pense pas, non. Hop là, bonjour monsieur! À la prison. Je dis ça comme non, ça. Merde! Trompe tes amortisseurs un peu raide! A plus! Hop là! Bah, le problème c'est que c'est un peu trop facile et. Un petit peu trop redondant dans cette phase là, mais bon. Hop! Ce fut des propres, ouais, j'avoue, il est pas mal. C'est toujours un plaisir de faire capoter une bande de drogue. Alors. La police va prendre leur lait. Encore que je bosse un petit peu sur les déplacements. Hein. Oh 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 oh. Le jeu est quand même méga généreux par moment. Putain, je suis quand même pas rentré chez moi pour le moment. Hein. Hop là. Voyons voir. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on a dit la tour. Et tous les monuments sur le chemin. Allez, c'est parti. Spider-Man, c'est quand même un mec occupé, hein. 10-31. Et du coup, il faudra que je vois un petit peu ce que ça donne en stream au niveau qualité, mais j'espère que c'est sympa en tout cas. Comme c'est mon premier stream PS4, enfin, PS4, entre guillemets. Parce que j'utilise pas vraiment PS4 pour streamer, mais ça c'est un détail.
Hop là. Et salut The Doupé 12, comment tu vas? Tech. Alors, et salut Flo. Voyons voir les tenues. Alors du coup, je voulais choper un boost de dégâts. Et j'ai carrément de quoi le faire, c'est nickel. En gros, c'est vraiment en faisant les activités annexes qu'on débloque, qu'on peut débloquer d'autres trucs. Là par exemple, je pourrais avoir le tenue de Scarlet Spider. Technologie de réalité augmentée générant des leurres holographiques étourdissant les ennemis. Pouah, c'est trop bien ça. Ah, j'en ai débloqué un nouveau, tiens. C'est quoi ça? Tenue Secret War. Libère une charge d'énergie électromagnétique étourdissant les ennemis. Je peux pas avoir genre une rétrospective de quel est ce costume et où on le trouve. Genre dans quel comics on le trouve, etc. Ça j'aurais bien aimé. Parce que du coup ils te balancent juste des comics, enfin des costumes comme ça, sans te dire vraiment d'où ça vient. Vous projette dans les airs et en... D'accord. Blindage à polarisation magnétique rendant temporairement votre tenue à l'épreuve des balles. Ouais non, en fait j'aime pas le casque, j'avoue. Je vais faire ces deux-là. Tac. Hop. La tenue équipe automatiquement le nouveau pouvoir. Très bien, nickel. Et celle-là. Mais d'abord, on va utiliser la première. Le stream est nickel, c'est fluide et tout. Mais il aurait dû faire le même jeu avec plein de héros différents. Là, c'est même Backman avec correction des défauts. Je dirais pas correction des défauts. C'est juste plus rapide, forcément. Parce que par rapport à Batman, Spider-Man est beaucoup plus agile. Donc moi, j'aime bien la différence entre les deux. Après, plus de héros, ça aurait... Je pense que ça aurait rendu le jeu un peu imbuvable pendant un moment. Du coup, je sais pas après. J'ai dit ça comme ça. Du coup, je peux le... D'accord, ok. Oh, la toile est noire, je crois. Stylé. Le petit détail. Tac. Oh ouais. Donc ça, je crois que c'est un Spider-Man dans les années 1800. Il était dans Spider-Man Dimension, je crois, si je me souviens bien. Je suis pas un grand expert de Spider-Man, du coup, n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit de la merde. Ce qui risque d'arriver peut-être souvent. Que serait New York sans ses trafiquants de drogue? Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les titres héros. Allez, tirez! M'oblige pas! Arrêtez! Ne les écoutez pas! C'est moi le vrai Spider-Man! Ah là, je suis perdu! Je croyais que c'était moi, Spider-Man! Sympa! Au moins, Fisk tenait tous ses dealers en laisse. Bon, mais attendez. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que... Il me manque? Oh non! Il est trop con, putain. La police va prendre leur lait. À toutes les unités, civils prisonniers de leur véhicule suite à une collision. Agents dans le quartier de Nomade, répondez. Daily Bugle. Un excellent journal. Ah, merde. Hop là.
Tu fais plusieurs jeux avec crossover, ça apporte beaucoup plus. Oui, puis même, même ce serait vraiment le bordel s'il y avait plus de héros. Franchement, tu suivis une trame scénaristique avec plusieurs héros, ça fait que tu t'intéresses plus, enfin, tu t'intéresses pas assez à tel ou tel héros. Alors que là, au moins, t'as une seule trame scénaristique à suivre, au moins. Déjà pas mal. Tech ? Bah écoute, ça va très bien, Zodou, du coup. Tac. Des bisous, Waza. À bientôt, mon loup. Hop là. J'aime bien parce que récemment, je disais bien. Je disais à mes modos, non, mais faut que j'arrête d'essayer de faire tout ce qui passe, toutes les activités et tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais que des activités annexes depuis tout à l'heure. C'est terrible. Je n'arrive pas à me concentrer sur un objectif. Moi, je vois une carte, il y a des points partout, je suis obligé d'y aller. C'est une horreur. Non. Parfait. Unité en patrouille. Demande d'intervention pour un vol à main armée. Le signalement provient de Clinton. Terminé. Hop. Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'enchères Roseman. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques. Des têtes horribles, démoniaques. Nouvelle illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spider-Man. Et vous, qu'en pensez-vous? Jameson. D. Jameson, pardon. Vous êtes à l'antenne. Je le dis mal. Ouais, je comprends ce que vous dites. Mais Spider-Man, il a arrêté ces types. Vous le rangez dans le même panier, juste parce qu'il porte un masque. C'est un préjugé. Faux! Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. Préjuger une personne signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur Spider-Man. Il met la pagaille aux quatre coins de la ville. Il porte un masque pour ne pas avoir à répondre de ses bourdes. C'est pas facile de gérer le. L'appareil photo en même temps que le reste. Si je veux qu'on parle de moi dans les médias, eh bien, je vais faire tout comme lui. Et New York croit sa perte. Apparemment, ça passe. Tac. Aïe. Bon, au final, je fais toutes les activités annexes parce que ça va me donner mes les costumes et que j'adore ça. Mais bon, au final, c'est utile. L'Empire State University, ce bon vieux campus, et la cause de notre crédit étudiant. Tac. Salut PC Vault, papillonnage est un style de vie. Qui choisit son malade, j'avoue comment tu vas, mon loup. Ah, c'est terrible. À toutes les unités, un cambriolage vient d'être signalé. Le signalement a eu lieu à Nolita. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pour ça que Jonah me payait une fortune. Merci beaucoup. De rien. Grâce à moi, t'es au chômage. Comme ça, t'as du temps pour jouer à mon jeu vidéo. Eh oui, les produits dérivés, les enfants. C'est la vie. Super fenêtre. Mais j'ai toujours... Ah, c'est le sanctuaire de... Des sorciers de... Ah, merde. Je vais y arriver. Doctor Strange. Voilà. Stylé. Franchement, les petits easter eggs qu'ils ont mis là... Cra, moi aussi, je les ai tous torchés, les jeux Batman. Ah, sauf peut-être Origine, que j'ai pas fait jusqu'au bout. Parce qu'il était un peu plus chiant que les autres, je trouvais. Et il n'y avait pas la bonne voix sur le Joker, du coup... J'étais pas... Mais... Tac.
T'es où? T'es là. Hop. Oh, le joli petit dessin. Ah, je crois que c'est Shocker sur le côté. Ou alors c'est le gamin. Aucune idée. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce costume? C'est le costume noir. Oh! Salut. Salut Herman. Sérieusement? Tu me reconnais? C'est sympa, tu m'as pas oublié. Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je peux pas faire de mal. Ça serait une perte de temps. Wow! C'est gentil de ta part. À quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage! Beaucoup plus épanouissant. Là, si t'as, on partageait nos sentiments. T'as senti que le jeu était pas, était pas sûr de lui. J'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Et que j'allais trop vite pour lui, du coup il a accéléré de ouf d'un coup. Parle-moi. Que ça soit un minimum intéressant. Herman. Reviens là, ouais. Herman. Faut t'appeler Shocker, c'est ça? Oh. Voilà. Parlons un peu. Pas en rose, ce serait plus saillant. Herman, j'avoue. Fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Il faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par soi. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Par contre, il est à 50 mètres, hein, il t'entend pas, mon loup. T'as beau être une araignée, tu parles pas plus fort pour autant. Mais bon, en détail. Allez, on bouge. Wouh. Stylé. Ah, ils l'ont vraiment rendu ultra cinématique, ce jeu. Hein. Hop là. Allez, ce coup-ci, tu restes au sol, mon loup. Ah non. Ah là, on fait de deux. Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Le manque de respect de Spider-Man. Ouais, c'est ça, allez, tais-toi. Tac. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Par contre, comment t'arrives à me reconnaître alors que c'est pas du tout mon costume de base? Mais vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Tac. Ouais, du coup, comme on est de nuit, je me suis dit que j'allais me mettre en mode Spider Noir. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Hop là. C'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Pourquoi? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Ah, les déplacements, quoi! Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Excusez-moi, je surkiffe les déplacements. Par contre, je sais que j'ai un appel. Okay. J'ai déjà répondu, coup, merci le jeu. Je peux t'appeler quand je veux? Ouais, bien sûr, pas de problème. Donc, on se parle à nouveau? Cool! Hop là. Tac. Chers auditeurs, je dois encore me défendre face à des affirmations fallacieuses de McDonald. Et yop là. Mac Gargan, alias le Scorpion. Mange ta façade dans la poire, oui, j'avoue. Comme je l'ai déjà révélé, j'ai financé l'expérience qui lui a donné sa force, sa vitesse. Facile de le reconnaître, certes. Et bon, un autre costume, il pourrait se dire, putain, c'est un autre gars. Hein.
comment pouvais-je savoir qu'il était fou? Vous croyez qu'il avait écrit sur son CV « psychopathe obsédé par le poison » Son procès est une tentative évidente de réduire la durée de sa détention au raft en m'accusant, moi, de ses méfaits. Mais... Non. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ok. C'est bon, je vais arriver à mieux me déplacer, je pense. Avec cette petite découverte tout à fait sympathique. Tech. Bon, je vous le dis, hein, c'est un grand kiff. C'est un très grand kiff. Je pense que les prochaines semaines, vous allez manger du Spider-Man. À balle. Non, parce qu'à chaque fois que je dis ça, on en mange à balle. Mais je mets quand même 10 ans pour le finir. Un détail. Plus que ces sortes de DL. Alors moi, faut savoir qu'effectivement, j'ai mis aussi pas mal de temps. Parce qu'à un moment, IDL à 2 mégasecondes. Sachant que ma connexion est récemment passée à 54 mégasecondes. Du coup, ça me faisait un peu chier. Mais bon, j'ai quand même été dans les temps pour le live. Et ça, ça fait plaisir. Attention, un vol à main armée est en cours. Besoin d'unité près du Civic Center. Impec. À toutes les unités, on a reçu plusieurs appels pour des agressions perpétrées par des hommes armés. Incident signalé près de Trinity. Je devais pas aller quelque part. Mais putain, merde. Putain, si j'arrive même pas à papillonner comme il faut, ça va pas le faire. À toutes les unités, on nous signale un accident de la route. Des civils sont bloqués. Incident signalé près de Trinity. Hop là! Oh, c'est le crypto, comment tu vas? Et bienvenue sur un petit live Spider-Man! Tu veux qu'il y ait un moyen d'opter le balancement pour aller super vite comme dans The Amazing? Il y a moyen, Zedou, mais j'avoue que je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je pense que je me débrouille plutôt pas mal déjà. Ah! Tac. Hop là. Eh ben écoute, nickel. Comme tu vois, on teste un nouveau jeu. On se met bien. Et on a acheté une PS4 exprès pour. Attention, un vol à main armé est en cours. Et on sent qu'il va y avoir plein de nouveaux jeux du coup, parce que plein de jeux à faire sur PS4. Et ça, ça fait bien plaisir. Et toi, mon loup, quoi de beau? J'arrête de me spoil, ça marche, Zedou, des bisous. Bon, ça va. Là, on est sur la première phase de jeu, on n'a même pas lancé l'intrigue principale. On s'est tout spoilé si on a regardé un minimum les trailers, hélas. Belle composition, sans vouloir me vanter. Sans vouloir me vanter, bien à entendu. Toutes les unités, civils piégés à la suite d'un accident de la route. Le signalement provient de Seaport. Un accident là-bas. Pas joli. Il pourrait y avoir des blessés. Hop là, bonjour SCDM. Hop.
quelqu'un est coincé dans cette voiture. Tac, dans quelle voiture du coup? Ah oui, effectivement. Comment on peut l'aider? Les cambrioleurs sont... Au secours! Arrête! Ah! Hop là. Non létal? Non, parce que... Ouais, d'accord que... Sur le camion qui a explosé, j'y avais accroché un méchant. C'est... On est d'accord que... Bon, Spider-Man, c'est pas de ma faute directement s'il est mort. Mais quand même, à la base, j'essaye quand même de pas tuer du tout. Non létal, bof. Ouais, j'ai pas fait exprès, ouais, j'avoue. Tu m'attends ta fond. Ah bah nickel, écoute. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Un bon petit fond musical. Je crois que ce débris bloque quelqu'un dans la voiture. Ah merde, quoi? Ah oui, merde! Je suis là, restez calme! Tac! Mais arrête de balancer les portières sur les gens! Les victimes sont hors de danger. Ce sont des secours de faire leur travail. Et là, ils me font. Ils me la font à la. À la. Comment ça s'appelle? Merde. À la. Les... Pas les incroyables, les. Monsieur Fantastique. Putain, merde! Non! Oh! Les indestructibles, ils me font les indestructibles et le mec il m'attaque quand je dis parce que j'ai détruit la porte de la voiture de sa voiture pour le sortir de son véhicule en feu. Ça pourrait être marrant. Enfin, non, en fait, pas trop. 10-31, cambriolage en cours. Rendez-vous à toute bridge, terminé. Alors, désolé pour le cambriolage, mais d'abord je vais aller prendre des photos de ce pont. Merci. Et sa vie, la peur au ventre est inacceptable. Ouais, heureusement que Spider-Man est intervenu pour les neutraliser. Vous n'avez rien écouté ou quoi? C'est lui la cause du problème. Excusez-moi d'avoir élevé la voix. L'épreuve que vous avez traversée me met hors de moi. J'arrête. Notre auditeur semble sous le choc. Raccrochez-lui au nez. C'est bien. Raccrochez-lui au nez, putain. La violence de Jameson, bordel de merde. Ah là là, j'ai tellement envie de retrouver cette VF de Jameson. Je pense que je vais me refaire les films Spider-Man, tiens. Les sauts de Sam Raimi. Parce que vraiment... Ah vraiment, ça me donne envie. Tac. Putain, je commence à bien gérer le déplacement. Hein. Ah, y a un petit crime juste là, on va y aller. Oh là là, c'est tellement le pied. Merde. Ça m'étonnerait que ce type échange des cartes de baseball. Déclarer ça aux impôts, n'est-ce pas? Hop, hop là. Alors, on va essayer de réussir. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Non. Hop là. Easy. Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. Tu te bouffes encore des murs, mais ça vient. Oh, ça va. J'ai envoyé un texto à Yuri pour récupérer ces types. En faudrait un emoji Spider-Man à mettre à la fin.
J'avoue. J'imagine trop Spider-Man qui envoie des messages tout le temps avec des emojis Spider-Man. Le mec a peine un but lui-même, tu sais. Hop. Allez, on va se lancer un petit peu dans la quête d'histoire. C'est quoi ça? Raison, pas de mission annexe. À toutes les unités, on a peut-être un kidnapping. Unité près de Bowery, répondez. Putain, Bowery, arrête les missions annexes. Non. Jamais. Tu disais... Ah, mais ça, c'est pas des emojis, c'est des emotes. Mais c'est pas moi qui envoie les messages, c'est toi. Moi, je suis pour rien si tu utilises ces emotes. Tac, alors. En attendant... Putain, merde, on a gagné plein de levels, j'ai pas donné mes nouvelles compétences. Ah, putain, j'ai 3 pouvoirs avec lui. Alors, soit... Concentration de combat. Ah mais attends, quoi? Ah mais je peux équiper. Oh ça, ah, ça c'est dommage par contre. Je peux équiper n'importe quel pouvoir sur ma tenue tant que j'ai débloqué la tenue. Oh c'est pas ouf. Parce que du coup ouais, ça aurait été bien que ce soit vraiment la tenue qui fait que t'aies tel pouvoir. Oh c'est... Je me disais aussi que c'était pas là. C'est pas le bon pouvoir. Costume de Stark. Oh. Appelle un speeder compagnon qui vous aidait en combat. Oh, ça appelle la petite araignée. Trop mignon. Oh putain, oui, j'ai les gadgets aussi. Le speeder drone. Déploie un speeder drone qui cherche les ennemis à proximité. Leur envoie des décharges électriques. Oh, sympa. Toile de choc. Une augmentation. Ouais, de trucs. Voyons voir les compétences un peu. Alors... Je crois qu'il y a des trucs stylés là. Toile rapide, réaliser un deuxième saut d'araignée pendant un truc d'altitude. Ouais, sympa. Les attaques aériennes infligent plus de dégâts et génèrent plus de concentration. Ça, c'est cool. Figure aérienne. Ah, enfin. Tac. D'accord, ça va être de la concentration un petit peu. La prise de toile assomme les ennemis touchés. Ouais. Oh. Et merci Medici pour... Merci beaucoup pour ton follow. Et ça, ça donne quoi? Donc lorsque vous êtes touché, générez un bonus de concentration. Ah oui, ça c'est cool. Ah ouais, bon on va prendre ça. 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 Et... Ça tiens. Voilà. Alors sinon, dans les gadgets, on va se donner une utilisation supplémentaire de toile de choc parce que j'aime beaucoup cette attaque. Et je peux pas trop faire de plus. Tac. Il va me falloir des jetons de recherche, mais ça je vais les farmer hors live. Et parce que c'est vraiment des mini-jeux à la con. Tac. Ah oui, non merde! Individu armé. Besoin d'agents dans le sud d'Armstrong. Hop. Bonjour. Bon, je sais que vous avez piraté les tours de notre système anti-crime. Non, des bisous, Titi. Je veux dire, bon appât. Quel tour? Laissez tomber. En fait, j'ai besoin de votre aide. Je pense que quelqu'un brouille le signal et que cette personne utilise plusieurs dispositifs. Ouais, Becca. Ouais. Ça se défend. Ça se défend. Vous voulez bien jeter un œil? Si vous m'aidez, je dirai rien à personne pour le piratage. Je vois plutôt ça comme du partage, mais... Ok.
Les brouilleurs émettent un signal identifiable. Putain, crypto quoi, il c'est pas vrai. Il suffit de balader dans le quartier des affaires à sa recherche. J'ai trouvé un signal. Il nous suffit de le suivre. Quelque chose me dit que c'est en haut de ce bâtiment. On ne sait pas pourquoi. Les dispositifs de brouillage fonctionnent mieux en hauteur. Des hommes de Fisk. Ça pourrait une surprise. Chopez-le! Merde, il est passé où? Oh, c'est pas moi qui l'ai tué! What? Vraiment, de temps en temps, c'est pas ça. Mais quel travail! J'ai détruit un dispositif de brouillage. C'est mieux? Non, mais comme je le disais, il devrait y en avoir plusieurs. Logique. Je vais les trouver. Je me demande si c'était pas les hommes de Fisk qui avaient neutralisé... des malfrats réunis sur un toit. Ça sent l'embrouille. Je croyais que rincer un pic pour qu'il sorte du système en... Le couche-panier. Et avant que Spider-Man fasse tous les boss, on a perdu un peu. Je vais te faire la peau. Ah, vous voyez, non, ils y pensent à regarder. Au final, il est contre le bâtiment. Je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi à le plaquer contre le bâtiment. Ah oui, les figurines, faut que je le teste. C'est vrai. Oh! Enfoiré? Mais. Bouge pas! Ça colle, t'es gueux! Tenez-le avant qu'il nous écoute des chaos! Ah, le P. Violence sur 20. Non, faut que je me débarrasse des deux snipes de l'autre côté aussi. Ah, il vaut mieux, oui. Oh, il croit que je suis parti. Bon, monsieur. Oh. J'ai vu quelque chose. Bonjour. Allez, tu vas se coller là, mon loup. Salut Spider-Man, tu veux juste PS4? Oui. Oui. N'est pas dispo sur PC, sinon bah ah, j'aurais pas acheté cette PS4 avec ce jeu. Non, je serais resté sur PC, bien évidemment. Triste vie. Merci. Hop. Parfois, tout casser est une solution. Et ça fait du bien. Spider-Man, ça fonctionne. Je commence à capter un signal faible. Ah, oh, ça le fait passer en... Ça le fait passer en noir et blanc, mais c'est bon. Pas dans la contrefaçon de vêtements. Ah, oh, ça fait vachement plaisir. Plus vite j'aurai restauré le système, plus vite je saurai ce qui m'y joue. Non, vraiment, les easter eggs font...
On carré en plaisant. Reste plus qu'un brouilleur. Si on peut appeler ça des easter eggs. Il reste quelques toits que j'ai pas visités. Il faut que je cherche quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Tac. Trouvé. Pourquoi on a besoin de ces brouilleurs? Je croyais que nos gars à l'intérieur avaient pas l'air de toquer les doigts. Quelqu'un les a remis en place. C'est lui. Oh. Ouais, non, ils se remettent contre le mur automatiquement, en fait. Ouais. C'est un peu cheaté, quand même. Ça va sauter. Ah, ok, d'accord, ok. Non, je suis mort comme un con. Aïe. Mais ta gueule, toi, là-bas. Pendant que Shinji continue le compteur de mort. Un signal identifiable. Il me suffit de me balader dans le quartier des affaires à sa recherche. Ah, il y a les touches de Batman Arkham qui ressortent. Deuxième ralenti. Aïe, enfoiré. Voilà, j'ai plus qu'à détruire le brouilleur. Des bisous! Ça aurait été bien qu'il y ait juste une toute petite animation où t'as Spider-Man qui lui envoie un truc et ça le remet contre le building. Bon, des détails, je sais, je pinaille. Bien, c'était le dernier. Le système devrait à nouveau fonctionner. Ça va te faire moins de points d'XP si tu les bats, j'en sais rien. Super! Du nouveau sur les âmes de Fisk? Au final, j'ai un boost de points d'XP donc. Mais le système signale une activité illicite quelque part sur les quais. Je vous envoie les coordonnées. Je vais voir ça. Je dois arriver sur les docks avant qu'ils s'échappent. Ok, calme-toi. Les figures à la con, putain! C'est génial! Ah non! Des armes et suffisamment. Ah non, c'est bon! Ça a lancé la cinématique, tout va bien! Avec ça, mais ça me plaît pas. Il faut que j'en sache plus sur ces armes. Analysons la situation. Très bien. Non mais... On peut pas faire une élimination discrète. Stylé comme plan ça.
Non mais pas du tout. Tu veux bien prendre ta pause? Merci. Non, non, pas Spider-Man, non. Non, bon, laisse tomber. Tac. Oh. Discrétion. Ninja. Qui est là? Spider-Man en vue. Oh. Hé, je t'ai vu. Tu vas cramer. Ah merde. Tac. Maintenant, je vais peut-être comprendre ce qui se passe. Alors, petite île d'armes. Les armes. Les c'est quoi le pouvoir de cette tenue? Ça fait que les ennemis n'appellent pas les renforts. Du raft. Ah. Bon, dans désolé, tous les cas. L'évasion tombe à l'eau. Eh ben, pour un combat qui s'est bien passé. La police de New York va pouvoir prendre le relais. Tout est bon de mon côté aussi. Merci d'avoir restauré le système, Spider-Man. Je dirai à personne que vous êtes connecté, mais si vous vous faites prendre, il faudra pas compter sur moi. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Si vous permettez, j'ai des selfies à effacer sur les serveurs du système anti-tout.